Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous montrer mes cadeaux de Saint-Nicolas. Donc, en fait, la vidéo haul action que je vous avais faite la dernière fois, j'avais acheté mes cadeaux de Saint-Nicolas en même temps. Donc, c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc, on va commencer avec les chocolats. Donc, déjà. J'ai pris deux sachets des M&M's parce qu'il y a aussi un autre membre de ma famille qui a eu un sachet des M&M's, donc j'ai pris ça. Et ensuite ma maman m'a acheté du chocolat bio dans un magasin bio, donc c'est avec en collaboration avec Moulin des Moines, donc c'est ça. Donc, c'est un petit renne trop mignon, donc j'ai pas encore mangé parce que j'avais très envie de vous le montrer. Voilà. Trop mignon. Ensuite, chez Action, j'ai pris deux choses en scrap. Donc, déjà, je vais vous montrer un carnet. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai acheté un nouveau carnet parce que je me suis dit que maintenant que je suis en train de faire des vidéos, etc., etc., je me suis dit, maintenant, ça suffit. Tu vas quand même essayer de faire des tutos. Donc, grâce à ce... À ce nouveau carnet, je vais enfin pouvoir vous faire des tutos. Donc, j'ai vite compris que les tutos que faisaient les dames, c'est parce que elles inventaient. En fait, moi, j'ai pas encore fait. Je vous faisais pas encore tuto parce que la plupart du temps, ces tutos venaient de d'autres scrapeuses. Donc là, je vais vraiment essayer. Je vous promets que je vais essayer d'inventer mes propres créations, mes propres inventions. Donc, il se présente comme ça. Donc là, il y a un élastique, il y a des spirales. Là, il y a écrit notebook. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris. Il m'a vraiment plu. C'est un style un peu marbré comme ça. Et avec mes couleurs en plus. Donc, il y a du bleu, du violet, du rose. Avec un peu de brillant comme ça. D'ailleurs, il se présente comme ça. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, il est comme ça. Là, il y a des détails personnels, donc c'est parfait. Et ensuite, comme ça. Donc, c'est là où je vais noter toutes mes idées, hein, mais il faut juste que je trouve. Hein. Et à la fin, il y a une pochette. Donc, quand je l'ai ouvert, je l'avais pas vu, en fait. Il y a une pochette, voilà. Donc, grâce à ceci, je vais pouvoir enfin vous faire des tutos. Mais il faut juste que je réfléchisse... et que je trouve ce qui pourrait vous plaire. Hein. Mais j'ai déjà des petites idées, mais tant que j'ai pas encore le matériel nécessaire. Bref. Et c'était accompagné de ceci. Donc voilà. Donc il y a 180 pages. C'est du A5, 120 grammes. Donc back pocket, donc une pochette. Et un élastique. Voilà. Je l'ai déjà ouvert. Donc ça a déjà été ouvert. Voilà. Je vais mettre de côté. Ensuite, il y a une création scrapbooking qui m'a beaucoup plu. Donc, c'est un peu dans le même principe que la boîte à musique que je voulais faire que je voulais vous faire en tuto. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à l'envoyer sur YouTube parce que la vidéo était trop longue. Il y a des trucs qui n'ont pas été parfaits, mais. Du coup, j'étais vraiment déçue que je n'ai... J'étais déçue de ne pas pu l'avoir... J'étais déçue de ne pas... De ne pas l'avoir pu... Oh, décidément. J'étais déçue... Bon, laissez tomber. J'étais juste déçue qu'elle n'a pas pu être mise sur YouTube. Bref. Je vais juste vous montrer à quoi elle ressemble maintenant, la boîte à musique. Donc, elle ressemble à ça. Voilà. Donc je l'ai fini, donc il y a quand même une partie là de la cage qui a dû être recollée, mais avec la patex on y voit que du feu. Hein. Donc voilà, je vais pas vous mettre la musique parce que sinon ça va durer 3000 ans, donc c'est comme ça. Voilà, donc grâce à cette horloge, je vais pouvoir me rattraper dans le tuto que j'avais fait avec la boîte à musique. Donc je vais pouvoir me rattraper. Donc c'est une horloge 3D, un puzzle. Donc c'est de la marque Craft & Co. Voilà.
Donc, je vous ferai une autre vidéo à part parce que si j'inclus ce montage, ça va, la vidéo, elle va durer des siècles. Donc, je vous ferai une vidéo à part. Donc, par contre, il y a écrit que il y a des piles qui sont non incluses. Donc, je demanderai des piles à ma mère avant de faire le tuto. Donc, voilà. Quand je l'ai pris, j'ai tout de suite craqué. Franchement, elle est sympa comme toute cette boîte. Voilà. Ensuite, je mets ça de côté et on continue la vidéo. Hop là. Et ensuite, en dernier, avec ma mère, on est allé dans une librairie en ville. Et comme je connais le personnage loup des bandes dessinées, je ne sais pas s'il y en a certains ou certaines qui connaissent. Donc, c'est une adolescente qui ne connaît pas son père et qui vit seule avec sa mère. Donc, j'ai toute la collection, toutes les BD. Il y a une nouvelle série là qui s'appelle Sonata. Donc, j'ai déjà le tome 1 et j'ai. Pour la Saint-Nicolas, j'ai acheté le tome 2, donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est avec celui qui l'a créé, c'est Julien Neal, pour celles qui le connaissent ou ceux qui le connaissent. Donc voilà. Donc je vous fais lire juste ici. Je ne l'ouvre pas tout de suite parce que je veux me laisser surprendre, parce que j'ai déjà un autre livre, mais pas une BD, un livre. Que j'ai à peine commencé, un roman policier. En fait, c'est une jeune dame qui travaille dans une pâtisserie qui fabrique des cookies, tout ça, et elle mène des enquêtes parce qu'il y a des meurtres. Du coup, elle mène l'enquête. Donc, je préfère d'abord finir le livre et ensuite lire la BD. Donc, voilà. Donc, il y a écrit, je te trouve également sereine. C'est peut-être parce qu'on m'a fait un bisou magique. Voilà. Donc je suis contente. Et j'ai un peu triché en fait à la fin. J'ai un peu triché. J'ai regardé la fin du livre. Il y aura un sonata 3 et ce sera le dernier. Donc voilà. Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Oui, je sais, elle était très courte parce que franchement, il y avait rien d'exceptionnel. Donc merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. PS, je vous promets que je vous ferai vraiment des tutos dans ce carnet. Je vous promets. Hein. Je vais y voir, je vous promets, mais je vous ferai des tutos. Allez, bye bye.